soif de l'égalité, la soif de finir avec le cancer de l'esclavage. Dans les yeux de tous, grands et petits, hommes et femmes. Adi, il y a des naya, il y a des choses qui sont mortes. Ibu tanya aku, nanti hari mereme, di mana be anggap kau suente kini libertinya, liberti yang kau kita nak kuat be, anggap tu nanti sora sultan kama, ambre mau kau nak kecuron, ikhau tu ka, nanti fangkeke, Allah dana dunia, seresu kau kebe mau nak kini nak libertinya, mangga libertin kita uga kebre be jago sama. Ekraze, toute velléité esclavagiste, dans la pratique. Dans les esprits, dans les coutumes, dans la mentalité. Ça, c'est un projet de Iran, c'est un projet de Biran, c'est un projet du Parti Irak. Ati, Ewa, ina kuranda hadana. Nanti le Parti Irak, et Iran, mouvement Irak, alors Parti Irak, au fond qu'il y a le Kébé, serait sous la anankura, serait sous dana. Nanti serait sous Anyangeni, na kuma kunya sahandi. Walau cuma umpatnya nanti kahani, ikhaya beran, orang anda cinta anak pura cinta mandang nanti tu beran di mana ya, upang kena umpatnya. C'est éradication, c'est nettoyage, c'est lessivage de toutes les poches d'esclavage mental, agricole, foncier, domestique, coutumier. Ce projet, nous irons jusqu'au bout. Et nous allons donner toute notre énergie, toute notre force de frappe populaire, électorale, notre force de frappe idéologique, notre force de frappe diplomatique pour venir à bout totalement de ce cancer. Adi, qui est Thomas Robegadou, Anoko Watenya, Batekebe Watupure Ogatin Cancer, Agana Nijimayan Tanmatanya, donc Thomas Idraki Kenya. Anak pura hadangga, ina indah peran di hadangga kali nanti. Ike beran jauh abe, seresu agen aku ada hakelnya. Walau seresu ga cina harman merugainya tangan ini. Ike ikatan demanikenya. Ipan ketiakan. Isikia malagan kota di koyo usuga cina harman harman aku cina bano. Ewa ike beran ikut demikenya. Ira kapan demikenya? Insyaallah. J'invite toutes les personnalités. Tous les cadres qui sont dans le pays ou à l'extérieur, qu'ils soient morts, qu'ils soient soniqués, qu'ils soient peuls ou poularophones, à revisiter leur code d'honneur, à revisiter leurs coutumes, à revisiter leurs pratiques, pour que ces pratiques soient réajustées au niveau de la liberté, de l'égalité, de la citoyenneté et des droits pour les financiers en Mauritanie, ici au XXIe siècle. Adi, Arsa Digam Banekian, Seresuna Tunati Jamaneke Urnu Luani Nyakama, Luani Kuga, Isoka Suakama, Afet O Harem Reme, Angatin Dikera Kome, Afofo Genoho, Aninyam Bran Kibarenya, Fofo Genoho, Asoko Ninyan Kibarenya, Fofo Genoho, Tegmasenya, Agar semua bukuma ke dalam kita beranda abe kita ke di Kenya malangkan serius kita kita. Jemaah anggar, lemer, les députés, les conseillers régionaux, les cadres en fonction dans l'État mauritanien. Parmi les gens de Guidimaka et d'ailleurs, je les mets en garde contre toute complicité avec les criminels ou les apologistes de l'esclavage. Adi, il y a Biran Daoud Abe, il s'est fait qu'il y a eu Tengene, au gâti nous pouvons venir dans les élus locaux, Tengene au maire, Tengene au député, Tengene au conseiller régional, Nanti. Gongondenya naga tengah ni, nanti serius suku kefis kriminal ni kubeh ni kefis, itu zaman ni ke nak cuma aku sahdi, walau zaman ni ke fini mider pandai, ikhaya beran tuan abe ni kerja tu monokunya.
Je le rappelle que Biram a des ressources de combativité contre l'injustice. Ati Harsa, que Biram be hagatu, hagatu na jering tenyal. Ati Musanzi Abada, Musanzi Abada. Je le rappelle que l'Iran a encore des ressources de combativité, une force de frappe démocratique, une force de frappe électorale et d'opinion ici en Mauritanie. Je le mets en garde de ne pas se mettre à travers de notre chemin en pratiquant l'esclavage ou en se faisant les apologistes ou les plus désapologistes ou des pratiquants de l'esclavage. Yo Harsa Fundunyani, Ati Iwotuka, Iga Franka Kiebe Kama, Franka Labantenyani, Franka Kundenyani, Franka Kiebe Geni, Adi Soron Kita, Soro Kukana Kepia, Imi Kepi Garen Kama. Enfin, j'invite la communauté Soninké, toute tendance confondue. زيارة النائب البرلماني بيرام الداعبي هذا حوادث من أحد ضحايا سونيك اللي تعرض للضرب في مزرعتي. Donc des difficultés de dormir. Est-ce qu'il a l'appétit? Non. Et le docteur, qu'est-ce qu'il a dit? زيارة النائب البرلماني بيرام عبيد لأحد عبيد سونيكي الذي تعرض للضرب في مزرعته من قبل أسياده في جيجيماقا. والآن النائب البرلماني يزور هذا المواطن الرافض للعبودية والرافض للظلم الذي تعرض له من قبل أسياده. الآن نحن في زيارته لمنزل بعد خروجي من المستشفى بالأمس. صوت شوي. تصريح رئيس حول هاي زيارتكم لهاي ضحية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Là où la terre, les maîtres sont en train de l'exploiter à l'instant T. Ils ont une fille dans son règne. Ils ont une fille dans son règne. Ils ont une fille dans son règne. On réclame partout. Ils ont une fille dans son règne. Merci. Donc, on a un peu de temps. C'est le seul qui se donc, on a un peu de temps. On a dit à nos gens de ne pas aller là. De ne pas aller là. De ne pas aller là. Bon, cette image d'un homme qui est à terre, gisant entre la vie et la mort, blessé volontairement par des individus
qui l'ont attaqué avec préméditation, en utilisant des armes blanches et en utilisant un sadisme consistant à ligoter l'individu, à l'humilier, à le blesser à mort, à le traîner, à le trimballer sur le sol, attaché des mains et des pieds. C'est un forfait à la hauteur de l'imaginaire de la barbarie esclavagiste des siècles passés. Je pense que cette image doit interpeller le gouvernement mauritanien, le président de la République, Mohamed Bouteflika. Qu'en Mauritanie, au XXIe siècle, en cette année 2021, il y a des personnes qui pensent que d'autres personnes doivent être à la merci de leur barbarie, doivent être à la merci de l'ignoble dessein qui est tracé dans toute société esclavagiste pour ceux qui sont considérés comme esclaves. Cette image, cette barbarie qui dépasse les bornes, qui a été traitée avec beaucoup de laxisme par les autorités de la région de Guidima, un laxisme aussi qui est à l'image du mépris qui traverse non seulement la société, mais les pouvoirs publics, toutes les autorités, tous les pouvoirs, le mépris des esclaves, des personnes d'ascendance. Je pense que cette image est parallèle à une autre image que nous avons vue et que le monde entier a vue durant notre périple dans le Guidimaka, qui se termine aujourd'hui. C'est la soif immense des populations d'origine servile à l'émancipation, à la libération et à la subversion des chaînes de l'esclavage, notamment des chaînes mentales et coutumières. L'État, s'il ne veut pas être dépassé, doit jouer son rôle d'État régalien, d'État de justice, d'État qui a une autorité par la loi qui peut stopper chacun à ses limites. Je pense que M. Bonnet qui est là, qui a été cette victime emblématique de l'esclavage à Dafar, il nous rappelle les négriers qui transportaient les esclaves des côtes d'Afrique pour les Amériques et les Caraïbes, et qui les martyrisait. Il est martyrisé avec une barbarie inouïe. L'image de M. Comin, gisant, ligoté, avec ses bourreaux qui le filment, qui filment son agonie, qui filment son état d'homme humilié entre la vie et la mort, ligoté, traîné par la terre. Je pense que ça nous rappelle encore la barbarie de l'esclavage transatlantique, l'esclavage arabo-musulman, où les Noirs étaient castrés, où les Noirs étaient chosifiés, où les Noirs étaient sujets à toutes sortes de sévices. J'appelle l'État mauritanien, j'appelle le président Mohamed Ousmane Azouane, son premier ministre Mohamed Bilal Mesrour et tout son gouvernement à agir au plus vite pour que le Guidimaka soit sauvé de l'embrasement, pour que la justice soit faite pour les esclaves, notamment les esclaves, attaqués, blessés dans leur corps, dans leur chair, dans leur âme, dans tout ce qu'ils ont de plus cher, comme M. Connaître.
Je vous remercie. Merci.